Et salut YouTube, on se retrouve comme on s'est quitté sur le chapitre 4, Fall Sense, la ville fantôme. Et donc on va découvrir un petit peu ce qu'il en est. On vient de sortir de la gare de Fall Sense et il y a eu un truc bizarre. La gare s'est transformée en bâtiment, on ne sait pas trop. Il y a eu un délire. Il y a eu un délire et la ville, on sent qu'il y a un truc pas normal. Du coup, on va voir ça tout de suite. Alors, la voilà cette fameuse ville fantôme, hein? On se croirait dans un roman d'épouvante. Moi aussi, je trouve que cet endroit inquiétant, mais cela ne doit pas entraver nos recherches. Après tout, il se peut que nous trouvions ici des informations précieuses sur le coffret céleste. Parce qu'effectivement, on est à la recherche, bien sûr, du coffret céleste, donc il s'appelle ça le coffret céleste, mais c'est la boîte de Pandore. Le professeur Luc et Flora, pardon, décident de visiter un peu la ville. Je vais remonter un peu mon micro. Alors, ça va, le son est pas trop fort, tout va bien. Ça a l'air d'aller. Ils ne doivent pas payer une facture électrique. Ils doivent payer une facture d'électricité colossale, pardon. Effectivement, en plus, il y a de l'argent dans les lumières. Parfait, ça. On a l'habitude de trouver les pièces à ces endroits. Cette statue de bronze est en parfait état. Qu'est-ce qu'il y a marqué? J'ai pas vu. Reviens. Je clique trop partout. Alors, que dit ce monsieur? Oh, quelle surprise de vous voir ici. Salut, bonjour, et tout ça. Ah, et tout ça. Vous êtes? Le facteur, oui, j'ai une tournée à faire ici, mais je viens toujours de nuit et ça me prend des heures. Ce n'est pas surprenant que les gens soient à cran ici à cette heure tardive. Au moins, je peux leur apporter un peu de bonne humeur avec le courrier. Ouah, votre journée vous amène jusqu'ici? Votre tournée, peut-être? Votre tournée, ouais, pas votre journée. J'ai les yeux qui sont pas encore en face des trous, ça va bien se passer. Rassurez-vous. Et oui, et j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, il faut que j'y aille. À plus tard. Il semblerait que la tournée de notre ami le facteur couvre une zone extrêmement vaste. Ouah, mais comment peut-il faire l'aller-retour en un jour? À moins de pouvoir se téléporter, c'est impossible. C'est ce que tu penses, Luc, mais le monde est plein de phénomènes inexplicables. Ceci n'est que l'un d'entre eux. Peut-être, mais ça me semble tout de même impossible. Alors, bon, on n'en apprend pas davantage ici. Oh. Est-ce que ça va, Flora? Tu n'as pas l'air bien. Je ne sais pas, je me sens faible tout d'un coup. Tu es pâle comme un linge. Trouve un endroit où tu pourras te reposer. Je ne vois aucun hôtel par ici. S'il y en a un, il devrait être indiqué. Étrange. Cependant, mon intuition me dit que l'un de ces bâtiments est bel et bien un hôtel. Le professeur Luc et Flora décident de chercher un hôtel. Voyons là. Il semble que cette rue soit de construction récente. Ah. Bâtiment bleu. Hôtel caché. Il faut même trouver... par une énigme, les hôtels. Oh là là. Quatre bâtiments se dressent à proximité de la gare de Fall Sense. L'un de ces quatre bâtiments est sans doute l'hôtel de la ville, mais aucune enseigne n'est visible pour confirmer duquel il s'agit. Malgré tout, certains détails devraient vous permettre de déterminer où se trouve cet hôtel. Pouvez-vous deviner de quel bâtiment il s'agit? L'hôtel de ville, normalement, c'est... Il n'y a pas l'horloge sur l'hôtel de ville? C'est peut-être une bêtise, hein.
Alors, c'est, on commence avec une énigme, ma foi, fort étrange. Où se trouve l'hôtel de ville? L'hôtel de la ville. Ah non, c'est l'hôtel de... C'est un hôtel, un simple hôtel. Je dirais... Bah, j'en sais rien, en fait. On dirait le D, parce que c'est le plus grand. Voyons si c'est bon. Eh ben non, c'est pas ça. Alors là, je sèche. Alors là... je sèche. Observez bien chaque détail et vous découvrirez où se trouve l'hôtel. Bon alors, attendez, on va réessayer. Réessayons. Certains détails devraient vous permettre de déterminer où se trouve cet hôtel. On va demander un indice au lieu de faire un peu au hasard. Parce que c'est pas vraiment le... C'est pas vraiment l'ambiance de faire au hasard. Observez bien les façades de ces quatre bâtiments et la réponse devrait vous paraître évidente. Les façades ? J'avoue que là, les façades. On va reprendre un indice. Regardez bien, sur l'un de ces bâtiments, on peut deviner le mot hôtel. Vraiment. Là, du coup. Bah oui. H-O-T-E-L. Maintenant, je vois que ça. Voilà ma réponse. Donc, c'est comme ça qu'on est censé trouver un hôtel dans une ville, quand c'est marqué dessus. Trop facile. Ouais. Les lettres du mot hôtel sont cachées dans des fenêtres, dans une des portes et dans l'horloge du bâtiment C. Ouais, bah c'était pas ouf. Nouvel ingrédient disponible, l'éléflore. Crée une nouvelle recette. Comment vas-tu, Flora? Tu te sens mieux? Un peu, oui. Je pense que du repos me fera le plus grand bien. Luc et moi allons retourner en ville pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cet endroit. Pourquoi ne resterais-tu pas ici pour te remettre d'aplomb? Oui, repose-toi un peu, Flora. Nous serons très vite de retour. Merci, Luc. Surtout, sois prudent. Vous aussi, professeur. Vous croyez que tout ira bien pour Flora? Ne t'en fais pas trop, Luc. Notre long voyage a dû l'épuiser. La meilleure chose à faire est de rassembler autant d'informations que possible et rentrer à l'hôtel. La musique est cool. Après tout, un gentleman ne fait jamais attendre une demoiselle. Flora n'est plus avec vous. Son portrait n'apparaît plus sur l'écran supérieur. Ici. Le professeur et Luc décident d'explorer cette ville étrange. Il y a un homme. Alors on va fouiller un petit peu. Il y avait une pièce ici. Je n'avais jamais vu un hall comme celui-ci. Effectivement, il est... Ah, il y a une pièce cachée ici aussi. Sois prudent dans les escaliers, Luc.
Ok, bon, parlons à un jeune homme. Bonsoir, monsieur. Il a une tête bizarre. Il a pas de menton. Il a pas de menton. J'espère que la jeune fille qui vous accompagne se remettra vite. Très bien. Non, c'est beaucoup moins moelleux qu'à bord du train. Effectivement. Poète. Une petite pièce. Ah, une fleur. Quelle rose magnifique. Et elle sent tellement bon. En parlant de fleurs, dis-moi, Luc, connais-tu cette énigme ? On la connaît. C'est l'énigme qu'on avait fait au pif. Enfin, on essaie de comprendre la mécanique et du coup, on l'a fini sans pour autant savourer en fait le fait d'avoir découvert la mécanique. Ah oui, ça c'est derrière un mur. Un peu plus délicat. Donc là, ça me paraît. Celui-là, il prend vraiment une grosse surface. Et du coup, ça prend une trop grosse surface, en fait. J'ai l'impression. Et voilà. Ça, c'est un peu frustrant parce que du coup, en fait, t'essayes et au bout d'un moment, ça fonctionne, quoi. Ce n'était pas si compliqué. Alors que tu fais que d'essayer, donc. Moi, c'est passé. Hein, mais bon. Et voilà, une autre énigme résolue. Et rien de tel qu'un bouquet de fleurs fraîches. Un bouquet de fleurs fraîches pour créer une ambiance paisible dans une pièce. Le parfum de fleurs régnant dans le train m'a vraiment détendu, c'est vrai. Oui, les fleurs que le chef de train a placées dans les c'est les fleurs du coup qui ont fait qu'on est tombé dans les vapes, je pense. Elle est très belle et parfumée. Bien sûr, c'est tellement évident que je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Que voulez-vous dire, professeur ? Luc, repense au moment où un wagon a changé de voie. Tu t'en souviens ? T'en souviens-tu ? À vrai dire, je ne m'en souviens pas vraiment, c'était un peu flou, je crois que je dormais. Bien sûr que tu dormais, notre soudaine somnolence n'avait rien d'une coïncidence. De plus, je ne pense pas que nous nous soyons réveillés à Folsens par hasard. En fait, je pense que notre petite sieste a été provoquée. Comment ? Mon intuition me dit que ce sont les roses que Sam a disposées qui nous ont endormis.
et quand tout le monde était assoupi, un des wagons a changé de voie. Exactement, mon garçon. Dans le tunnel, un wagon a été détaché du reste du train. Je parie que seuls les passagers voyageant en première classe ont été emmenés à Folsens. Hop. Donc ça, c'est bon. Encore une pièce. Bon, je pense qu'on a eu toutes les pièces. Ce miroir est gigantesque et d'une propreté exemplaire. Je vais rester ici pour me reposer. Soyez prudents tous les deux. C'est promis, Flora, repose-toi bien. Ok. Sortons. Tout porte à croire que le docteur Schrader s'était rendu à Folsens avant nous. Nous nous rapprochons du coffre céleste et de la clé du mystère, j'en suis certain. Croyez-vous que celui qui a volé le coffret se trouve aussi dans cette ville? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous en saurons plus lorsque nous découvrirons pourquoi le docteur Schrader est venu ici. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur tout ce qui peut être lié au coffret céleste. Mettons-nous au travail alors. Je vous suis professeur. J'ai du mal à articuler, je suis désolé, j'essaie de faire de mon mieux. Ça va bien se passer. Ah mince, c'est l'hôtel. Excusez-moi de vous demander pardon. Il y avait une pièce ici. J'ignore à quoi peut servir ce bâtiment. Très bien. On dirait qu'il fait plus clair par là-bas. Allons-y alors. Écoute-moi bien, Samuel. Il est ici, en ville, j'en suis certain. Tu vas me fouiller chaque recoin de Folsens et me le rapporter illico, compris ? Oh, allez, tonton, tu penses vraiment que les gens racontent les gens est vrai? Je sais pas, pour moi, c'est juste des rumeurs. Mes oreilles me jouent-elles des tours? J'ai cru t'entendre discuter mes ordres. Tu es mal placé pour me faire un cours sur le sujet. Maintenant, mets-toi au travail. Ok, pas la peine de s'énerver, j'y vais. Professeur, de quoi parlaient Monsieur Beluga et le chef de train, à votre avis? Il semblerait qu'eux aussi soient à la recherche de quelque chose. Oh, regardez, professeur, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est le livre de Satan. C'est un genre de vieux livre, quelqu'un l'aurait laissé tomber en se promenant. Regardez sa couverture, elle est étrange. C'est quoi cet emblème? Voyons voir. Il me semble que cet emblème représente un bouc. Eh bien, quoi que ce soit, ça me fait froid dans le dos. Je me demande ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Dommage que nous ne puissions pas lire tout le livre à cause de ces serrures qui le verrouillent. Mais c'est un emblème qui m'intrigue le plus. C'est l'emblème qui m'intrigue le plus. Dites, professeur, quelqu'un dans ce magasin d'antiquités pourra peut-être nous en dire plus, non? Très bonne idée, Luc. Commençons nos recherches. L'option mémoire est maintenant disponible dans la valise du professeur. Beluga semble déterminé à faire trimer Sam. Il lui a demandé de chercher sans relâche un mystérieux objet dans toute la ville. Les objectifs de Beluga ne sont pas très clairs. Quel objet peut-il bien rechercher avec tant d'insistance? Alors là, mon gars. Le professeur et Luc décident d'entrer dans le magasin d'antiquité. Ah, on a eu... Attendez, on va pouvoir faire ça. Objectif 14 pas. Oh non, je suis crevé. Thank you.
Ah, du coup, il aurait peut-être même pu aller jusque là-bas. Ah. Il a atteint l'objectif. J'ai l'air plutôt pas mal maintenant. Grave, Fataro. Il passe au niveau 4. Du niveau 4 au niveau 3, pardon. Dis donc. On va essayer de faire ça comme ça. Donc là, il ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Ça ne sera pas encore assez. Et on a le service AT. Donc là, apparemment, on a ça. Aide à se détendre. Apaise le corps et l'esprit. Contient plein de vitamines. Adoucit la peau. On va travailler ça. Hein. C'était atroce, quel dommage. Non, ça ne va pas du tout. C'est imbuvable, mince. Ce thé m'a rendu triste. Une gorgée a suffi pour que j'ai envie de pleurer. Habituellement, une tasse de thé me redonne le sourire, mais ce mélange... ne vous en faites pas, professeur. Faisons comme si nous n'avons jamais préparé ce thé. Plutôt comme ça, alors. Atroce. Ce thé est vraiment particulier. Je dois dire que je pourrais trouver des qualificatifs plus appropriés. Un peu le goût d'une vieille chaussure, non? Oh merde. J'ai compris, mais ça, j'oublie cette recette à jamais. Si on met juste ça, alors. Le thé est atroce. Voilà. Quand c'était assez subivant, là. Ils ont mélangé 3 doses de la même ingrédient, mais le résultat est très décevant. Thé est atroce. Savez-vous pourquoi ce thé produit de la mousse verte? J'imagine que c'est sa manière de nous indiquer qu'il est impropre à la consommation. J'ai peur de pouvoir te répondre, je suis aussi perplexe que toi. Mince. Mais en doux, sucré et rafraîchissant, ça va être bon. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Bon. Tant pis. Alors. La musique échange. J'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante au bal d'hier soir. Au bal d'hier soir. Ces fêtes sont souvent extrêmement ennuyeuses, mais sa présence a illuminé ma soirée. Parce que je suis le fils du duc, les gens sont souvent extrêmement guindés ou même obséquieux à mon égard, mais elle ne m'a pas du tout traité comme cela. J'espère la revoir très bientôt. D'accord. Alors, pardon. Il y a tellement de choses à acheter ici. Il y a surtout une pièce ici que je vole. Oh, il est là, lui. Il y a le chilmé qui est là. Bon, ouais, il y a beaucoup d'éléments hein, sur les tableaux ici, donc il faut faire attention. On va voir l'inspecteur. Coucou. Inspecteur Chimé, comment êtes-vous arrivé ici? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche, gamin. Je ne m'attendais pas à vous voir ici tous les deux. Après avoir enquêté sur le terrain de Dropstone, j'ai pu en déduire que cette ville et le coffret sont liés. Le docteur Schrader avait réuni un tas d'informations sur le coffret céleste. L'homme que je poursuis a très certainement tué Schrader pour s'emparer de la relique. J'ai décidé de traquer le coffret plutôt que l'assassin. Quand je le trouverai, j'aurai mon coupable.
Waouh, son raisonnement est imparable. Je ne m'attendais pas à ça de la part de l'inspecteur. Quoi, tu as dit quelque chose, gamin ? Non, monsieur, rien du tout. Bien, parce que je n'ai pas le temps de papoter. J'ai un meurtrier à arrêter et à ramener à Londres. Allez, Barton, on s'en va. D'accord, oui, chef. Ah, salut. Dans les parapluies, il y a une pièce. Je me demande si le miroir a beaucoup de... Ce miroir a beaucoup de valeur. Moi qui serais idéal pour lire un bon livre. L'éclairage convient admirablement à ce type de magasin. Ok. Bah écoute, pote, on va parler à Bobby. Hein. Parlons à Bobby. Bonjour, vous désirez quelque chose en particulier ? Désolé, nous ne sommes pas venus pour acheter. Nous intéressons à ce vieil ouvrage ainsi qu'à une relique appelée Coffret Céleste. Pouvez-vous nous renseigner ? Oh non, encore ce coffret, vous savez, vous êtes le troisième à m'en parler aujourd'hui. Le troisième ? Oui, deux détectives sont passés à l'instant. Il y a une demi-heure, c'était une jeune fille. Elle voulait savoir si quelqu'un était à la recherche de ce coffret. Ah bon ? Vous pourrez décrire cette jeune fille ? Oh, elle était très belle, elle ne semblait pas être dit. On est de retour. Excuse-moi YouTube, du coup ça sera coupé au montage, tout ça, j'ai eu tout simplement le live qui a shut down à cause de la box qui a eu un souci. Du coup j'en ai profité, j'ai changé, je me suis mis en t-shirt. Je suis plus à l'aise comme ça. Voilà, et du coup on va pouvoir continuer tranquillement la suite de l'aventure du professeur Layton. Excuse-moi encore. Alors... Donc je sais pas exactement où ça a coupé, j'espère que vous avez pas... Je pense pas que vous avez loupé grand-chose. Mais du coup, on parle tout simplement à la personne qui s'occupe de la boutique d'antiquité. Et donc on lui parle au propos du coffret. Apparemment, il y aurait des gens qui seraient passés avant nous. On est la troisième personne qui lui demandons pour le coffret. Il y a eu une fille, donc je pense que c'est la fille de Monsieur Anderson, le maire de la ville de Brompton. Il y a eu les inspecteurs, hein, l'inspecteur Chimé avec son second, et Yannou. Donc si ce coffret s'est un jour trouvé à Folsens, vous devriez jeter un œil au musée Van Aarsen. Van Aarsen. Ok, on va voir au musée Van Aarsen alors. Et où se trouve ce musée ? Cherchez un grand bâtiment marron au centre-ville et suivez la route vers le nord. Ce musée abrite une mine de documents racontant l'histoire de notre belle ville. Y a pas un plan, en fait, de la ville, sinon ? Tout ceci va beaucoup nous aider, merci de ce conseil. Pour ce conseil, nous ne manquerons pas de le visiter. Avant que vous ne partiez, puis-je voir ce vieil ouvrage dont vous parliez ? Oh, bien évidemment, j'allais justement vous le montrer. Ah, le concept est assez inhabituel pour un objet aussi ancien, je dirais. Sauriez-vous par hasard quelque chose à propos de l'emblème ornant la couverture du livre ? J'allais justement vous dire que cet emblème me semble familier, mais je ne connais pas sa signification. Je vous l'avoue, ce qui m'intrigue, ce sont ces verrous. Ces vieux gadgets m'ont toujours fasciné. Leur conception étant plutôt basique, je pense que n'importe quelle clé pourrait les ouvrir. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer avec celle-ci ? Peut-être qu'elle ouvrira l'un d'entre eux. Considérez que c'est ma façon de vous remercier pour m'avoir montré un objet digne d'intérêt. Oh, mille merci, cher monsieur. Vous obtenez une clé. Elle ouvre un nouveau chapitre des mémoires. Mince, quel dommage qu'il ne sache rien de plus sur ce livre. Oui, c'est bien dommage, mais nous devons oublier ce livre pour le moment. C'est pour l'heure, une visite au musée Van Aarsen s'impose. J'ai saleté sur mes lunettes. Le professeur et Luc décident de visiter le musée Van Aarsen. Aarsen. Est-ce que tu as une énigme ? Le musée Van Aarsen se trouve au nord d'ici, je vous conseille d'aller le visiter. Bon, bah, allons visiter, hein, qu'est-ce que je te dis.
Mademoiselle, j'ai entendu parler de vous et de toutes les questions que vous avez posées sur ce coffret. Ah, c'est Katia, voilà, c'est Katia, le nom de la fille du baron. Pas du baron, de Monsieur Anderson. Je sais pas si c'est un baron. Ou un duc, je sais plus. Oh, mais je voulais seulement... Et avant que vous ne répondiez, je me fiche de savoir qui est votre cher papa. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour moi, tous ceux qui sont à la recherche du coffret céleste sont les principaux suspects. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Chef, vous permettez Qu'y a-t-il, Barton? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Oui, en parlant de ça, chef. Le meurtrier a tué un homme pour mettre la main sur le coffret, et donc le coupable doit déjà l'avoir. Si la demoiselle était coupable, à mon avis, elle ne poserait pas les questions sur le coffret, chef. Tiens donc, Barton, je me souviens pas vous avoir demandé votre analyse de la situation. Je suis désolé, chef, veuillez m'excuser, excusez mon manque de jugement momentané, je m'en vais à présent. Barton, revenez ici tout de suite. Je vais vous confisquer votre matraque, je jure. Ouf. Hey, c'est la fille que nous avons vue à la gare de Dropstone. Comment s'appelle-t-elle? Cathy? Non, ce n'est pas ça. J'imagine que tu parles de Katia, la fille de Monsieur Anderson. Oui, c'est bien ça. Je me demande ce qu'elle fait ici. C'est peut-être ça le musée, je pense. On va voir. Eh mais lui, il est partout. Il était dans l'étrange village aussi. Il va y avoir peut-être des personnes redondantes. Il me semble que l'on puisse passer sous la tour. Ouais. On va passer là-bas. Pour l'heure, on cherche des pièces. Alors, que dit Coco? Tiens donc, voilà deux visages qui ne me sont pas inconnus. Eh, je vous connais? Eh oui, c'est le destin qui nous a réunis, vous, moi et ce superbe service à thé que vous trimballez. Bien, après ces retrouvailles si émouvantes, pourquoi ne pas m'offrir une bonne tasse de thé? Préparez-moi un bon mélange, d'accord? Vous voulez qu'on vous prépare votre thé? Et comment, petit scarabée? Mais attention, rien d'extravagant. Je me contenterai d'un grand classique, un thé délice fruité. C'est tellement facile à préparer que même un bébé en serait capable. Enfin, s'il savait ce qu'était le thé. Bref, vous avez seulement besoin d'un peu d'ortimante, de mirboise et de mandarange. Tiens, goûte-moi ça. Fantabuleux. Un large sourire se dessine sur le visage de Stachenskarfen. Il semble se sentir plus détendu et d'humeur plus joviale. Voilà un thé qui a du caractère, gamin, bien joué. Évidemment, tu n'aurais pas su le préparer sans mes conseils avisés, alors ne prends pas la grosse tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui auraient bien besoin d'une bonne tasse de thé. Puisque vous vous baladez avec un service à thé tous les deux, à vous de tout faire pour les aider. Sachez que si vous servez le bon thé à tous ceux qui en ont besoin, vous aurez une surprise. Une bonne surprise même. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Vous croyez vraiment qu'on peut aider les gens ainsi? Simplement en leur servant une tasse de thé? Ce n'est pas impossible, Luc. Un gentleman ne doit surtout pas sous-estimer le bienfait du thé. Eh bien, si vous le voyez comme ça, j'imagine qu'on peut faire un petit effort. Après tout, ça ne coûte rien d'offrir aux gens une petite tasse de thé de temps en temps. Effectivement, très important, hein, même chez vous. Il faut toujours prendre le temps de boire du thé, un café, une petite bière entre amis. Avec modération, toujours, bien entendu. Mais c'est important de prendre le temps pour ça aussi dans la vie. Qui est cette personne? Denis. Dites donc, vous ne tenez pas en place, vous deux? Faites donc une petite pause avec cette énigme.
Flower Power. Voici quatre parterres de fleurs circulaires. Chaque parterre a un rayon de 10 mètres. La manière dont ils ont été disposés fait qu'un espace reste inconnu entre les quatre parterres. Pouvez-vous déterminer l'air de la section colorée en rouge sur l'image ci-dessous ? Votre réponse sera exprimée en mètres carrés et ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure des parterres. C'est joli, hein? Oh mon dieu. Ok. La géométrie, ça n'a jamais été vraiment mon fort. Donc après, on était, je pense, pas trop mal en dessinant ça avec les milieux des cercles. Parce que là, du coup, forcément, chaque pointe passe par là. Mais ce qui est chelou, c'est que... Bah... Donc ça fait... Alors attends. Du coup on sait que ça fait 20 du coup. De là à là. Là ça fait 20. Parce que du coup ça fait 10 et 10. Moi, je pars encore dans des trucs... Je pars encore dans des trucs qui vont trop loin, je le sens. Donc le carré là... Il fait 20 mètres cubes. 20 mètres carrés plutôt, 20 mètres carrés, pardon. 20 mètres carrés. Oui, c'est 20 mètres carrés. Et donc, on enlève de ces 20 mètres carrés, il faut qu'on enlève un quart. Bah du coup, ça fait un... Bah attends, c'est... non, en fait, c'est tout bête. Puis si on prend chaque morceau là d'un cercle, vu que c'est toujours un quart de cercle, du coup si tu prends 4 quarts de cercle, ça fait un cercle complet. Et du coup ça fait le diamètre du cercle. Ça fait le mètre carré du cercle. C'est ça, hein. Et du coup en fait il suffit de prendre, tu fais 20 mètres carrés moins... Ça fait 10 mètres carrés, hein. Comment on calcule ?
je sais plus comment on calcule l'aire d'un cercle. Voilà, calculer l'aire d'un cercle, c'est le rayon multiplié par pi. Voilà. On va pas faire des calculs comme ça quand même. Chaque parallèle a un rayon de 10 mètres, les manières dont ils ont été disposés fait qu'un espace reste inconnu entre les quatre parterres. Pouvez-vous déterminer l'aire de la section colorée en rouge sur l'image ci-dessous? Notre réponse sera exprimée en mètres carrés et ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure des parterres. Parce que si on prend la moitié comme ça là. Vous avez 10 sur 10. Bon, en gros, je vais mettre 10. Oh là, il y a beaucoup de cases. Oui, je suis confiant. C'est pas ça. Et on va demander un indice, hein, c'est là. Il est utile de vous embarquer dans des calculs extrêmement compliqués. Ah oui, mais tu me dis ça. Moi, j'ai sûr, j'ai pas fait de calcul là. J'ai pas fait de calcul. On va prendre un indice. Avez-vous oublié la valeur de pi? Ce n'est pas très grave, vous n'en aurez pas besoin pour résoudre cette énigme. Ok, donc effectivement, il faut pas calculer l'aire du cercle dans ces cas-là. Quelque chose dans cette énigme ne tourne pas rond. Votre raisonnement devrait donc être aussi carré que possible. Qu'est-ce qu'il me raconte? Attends, on a bien vu que c'était un... que ça fait un carré. Parce que du coup on a toujours le carré là, ça moi je l'ai vu. Et du coup là il est très très mal dessiné, mais normalement il doit passer à chaque point. Bon, c'est dessiné comme une teub. Voilà. Et du coup là on a chaque arc de cercle. Donc là, ça représente en fait, ça représente un cercle complet. Et on sait que de là à là, il y a 10, donc de là à là, il y a 20. Ça fait 20 sur 20. Du coup, est-ce que ça serait la moitié de ça? Je sais pas, moi. On va demander le dernier indice. Hein. Essayez de tracer les deux segments qui forment les diagonales de la figure que constitue l'espace central. Cet espace est maintenant divisé en quatre petites sections identiques. Ne pourrez-vous pas remplacer ces quatre sections ailleurs sur l'image pour rendre toute la mesure plus claire?
Ok. De là à de là, c'est pareil que de là à de là. Tu vois, c'est 100 mètres cubes, j'en sais rien. On va être sans. Hein. Oui, je suis confiant. Même avec la dernière truc, il est dit de vous embarquer dans des calculs extrêmement compliqués. Ah, ben je veux bien, mais. Tellement les maths, ça fait. Surtout la géométrie, ça fait combien d'années que j'en ai pas fait Je commence à être un peu vieux, hein. Donc tout ça, les problèmes géométriques, c'est un truc qui me bottait absolument pas en cours, alors j'ai vite oublié. Hein. J'ai vite oublié. Je suis désolé, je vais regarder la soluce. Hein. Ah, mais attends! Je suis un teubé. Attends, bah oui, j'avais pas vu que c'était. Moi, je croyais que c'était que ça qu'il fallait calculer. Mais en fait, non! Tout ce qui est jaune, c'est ça? Oh là là, bah voilà, ouais, forcément. C'est là, je viens de voir sur le. Sur le truc. Oh, j'étais complètement à côté, j'étais à l'ouest. J'aurais pu chercher longtemps. Excusez-moi. Du coup, bah, je vais répondre et puis on va regarder la solution ensemble. Voyons si ma théorie est la bonne. On va regarder la correction ensemble. Tout à fait remarquable. Donc voilà, c'était tout ça qu'il fallait calculer, putain, moi j'ai rien compris. Et donc forcément, les petits, si tu fais les diagonales, c'est pour ça que je comprenais pas, j'ai dit bah oui, les diagonales, mais du coup ça sert à quoi Bah oui, parce que chaque diagonale, en fait, tu peux les mettre ici pour faire le carré. Et du coup là, ça fait effectivement 20, parce que du coup c'est du rayon 10, donc c'est du 20 sur 20. Ah là 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 là. Donc la zone colorée en rouge est une aire de 400 mètres carrés. Si vous divisez en 4 espaces situés entre les jardinières et que vous placez chaque morceau autour du cercle du bas comme le montre l'image, la zone rouge devient un simple carré. Un côté du carré aura donc la même longueur que le diamètre du cercle, soit 20 mètres. En portant ce nombre au carré, vous trouverez l'aire totale de la zone rouge 400 mètres carrés. Oh là 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 là. Donc, complètement my bad, là j'avais pas du tout vu la zone était aussi un rond en fait. J'étais complètement à côté. Mes excuses. Waouh, vous avez résolu cette énigme si vite que j'en ai la tête qui tourne. Ouais, je te le dis. Ça m'embête toujours de regarder les solus, mais là par contre, si j'avais pas regardé la solution, j'étais complètement à côté. Hein. Vous ne vous reposez jamais, c'est ça? Ça me fatigue rien que d'y penser. Trop piquant. Très bien. Donc on a encore un ingrédient pour faire du thé. Vous n'aurez pas de courir à travers la ville, vous deux. Ok. Alors, je crois que le musée, c'est ça. Oh, regardez, professeur, l'inspecteur Chimay est juste là. Inutile de paniquer, Luc, il ne fait que rassembler des informations sur l'affaire du docteur Schrader. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, à Folsens. L'inspecteur aurait-il compris quelque chose pour une fois? Alors ça...
Laissez-moi récapituler. C'est bien l'homme qui s'intéressait de près au coffret céleste. Aucun doute là-dessus. Oui, c'est cet homme sur la photo. Je reconnaîtrai ce visage entre mille. Très bien. C'est ce que je pensais. Mon instinct ne me trompe jamais. Allons, Barton, on y va. Ah, ça a sonné la porte. Je reviens. Aïe, 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 du coup, désolé. La copine a débarqué avec le petit chien et tout. Surprise. C'était pas du tout prévu. Du coup, voilà. Bon, il y aura des découpes dans la vidéo. De toute façon, j'avais déjà prévu de faire des découpes, donc tout va bien. Ah, alors. Donc. Hein ? Oh oui, chef, je suis juste derrière vous, chef. Visitez le musée. Ah bah oui, il y a du bazar, du coup. J'ai sorti mes platines et tout. Regarde ces photos de la ville, Luc. Celui qui les a prises avait l'œil pour les détails. Mais si on les observe de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Penses-tu être capable de les remettre dans l'ordre ? Oh bah oui. Oh bah t'as raison. Alors, quatre photographies décorent les murs du studio photo de Joseph. Toutes les photos ont été prises au même endroit et à la même heure, mais pas à la même date. En utilisant les indices visibles sur les photos, vous devriez pouvoir déterminer l'ordre dans lequel elles ont été prises. Pour répondre, vous devrez entrer à la suite et dans l'ordre chronologique les lettres correspondantes à chaque photo, par exemple ABCD. Alors, les images sont assez petites. Du coup, c'est un petit peu chiant. Donc toutes les photos étaient prises au même endroit, à la même heure, mais pas à la même date. Donc là, on a une lumière qui n'est pas allumée ici. Là, on a la porte qui a changé de couleur. Là, on a la lettre A qui est tombée ou qui n'est pas éclairée. Et j'ai l'impression qu'il y a un trou dans la fenêtre. Mais pas là. Parce que là, il y a l'ombre aussi, qui est plus marquée. Elles sont pas évidentes les énigmes là, hein.
Donc là, on va dire qu'il fait pas encore nuit. Parce que la lumière n'est pas allumée. Et il y a l'ombre là. Donc il fait pas encore assez de nuit pour allumer les lumières. Donc du coup, c'est plus en été. Waouh, c'est hein? Et là, il y a un truc là, mais il n'est pas là. Waouh, c'est vraiment pas évident. Hein. Bon, je dirais que c'est C, D. On va mettre ça. C, D, B, A. Allez, hop. C, D, B, A. Voyons si c'est bon. Ah bah j'ai eu juste. C'est parfait. Je suis le digne apprenti du professeur. Alors, l'ordre qu'il fallait retrouver est bien CDBA. Sur la photo C, on remarque que le réverbère n'est pas encore installé. Donc, effectivement, après j'ai réagi comme ça. J'ai plutôt vu que c'était un truc en construction, puisqu'il y avait le bâtiment derrière, pareil, qui n'était pas encore construit. Donc je me suis dit, ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait de l'ombre, en fait. C'est parce que du coup, c'était pas allumé. Donc... Hop, donc il y avait pas encore installé, alors qu'il est présent sur la photo, sur la photo D. Sur la photo B, il y a un nouveau bâtiment à l'arrière-plan, et la fenêtre du restaurant est brisée. Enfin, sur la photo A, on observe une réparation de fortune de cette même fenêtre, mais quelques ampoules de l'enseigne lumineuse du restaurant ont grillé, et la porte du studio a été repeinte. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu, c'était pas vraiment du pif, mais bon, je dis, bon bah, ça, c'est peut-être ça, tu vois, c'était ça, donc tout va bien. Si on en croit ces photos, Fall Sands a une histoire longue et riche. Génial, avec ces photos, je suis sûr qu'on pourrait reconstruire le développement de la ville. Tu soulèves un point intéressant, Luc. Mais si ce sont de vieilles photos, pourquoi ont-elles l'air si récentes? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. D'habitude, sur des photos si vieilles, l'image s'est un peu détériorée. Je me demande quelle méthode ce studio a utilisé pour les garder intactes. Un engrenage. On a bientôt fini de réparer l'appareil photo, je crois. Hein. Ah. Ah.
C'est comme ça, non? Non? Apparemment, non. Ouais, faut relier les fils, je sais pas trop. Comme ça. On est sûr que là, ça c'est là. On est sûr que là, c'est là. Ça, on n'en sait rien. 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 Non, ça, on est sûr. Ah, c'est comme ça. C'était comme ça. Comme ça, ça me paraît pas mal. Félicitations! On a réparé l'appareil photo. L'appareil photo est réparé, vous pouvez à présent prendre des photos. Utilise l'appareil photo afin de trouver des éléments cachés dans le jeu. À certains endroits, des icônes en forme d'appareil photo apparaîtra sur l'écran. À ce moment-là, touchez cette icône pour prendre une photo de l'endroit où vous vous trouvez. Touchez l'icône de l'appareil photo dans la valise du professeur pour voir l'album des photos prises. Lorsque vous visualisez l'album, touchez une des photos pour lancer un mini-jeu. L'objectif est d'identifier les différences entre la photo sur l'écran tactile et l'endroit réel. L'endroit où la photo a été prise apparaît sur l'écran supérieur. Touchez une zone où vous observez une différence pour y faire apparaître un cercle. Ensuite, touchez ici pour soumettre votre réponse. Si votre réponse est correcte, la zone sélectionnée sera marquée d'une icône. Il y a trois différences à trouver sur chaque photo. Une fois que vous avez trouvé les trois différences, une indication vous sera fournie. Retournez à l'endroit où la photo a été prise et touchez l'élément qui vous a été indiqué sur la photo. Qui sait ce que vous pourriez y trouver? Dis donc, c'est complet, hein. Alors, aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer par hasard la jeune fille du bal. Apparemment, c'est la fille d'un petit aristocrate, mais je ne sais pas exactement qui. Cette fille est à la fois élégante et intelligente. Je dois avouer qu'elle a gagné mon cœur et que je suis déjà en train de lui faire la cour. Malheureusement, je ne suis pas sûr que père approuve. À l'aide. Je suis épuisé, j'aurais bien besoin d'un thé à l'ortimante avec une double dose de mirboise. C'est ça, hein. Ce thé est génial, il est sucré comme je l'aime. Et il m'a fait du bien. Excellent, Luc semble vraiment apprécier cette tasse de thé. Vous avez trouvé une pièce SOS ? Au fond, bien entendu. Très bien. Un petit chien, du coup. Ce sont des portraits des gens très différents. Je me demande à quoi peut servir cet appareil photo géant.
Bah, faire des photos géantes. Donc, les tableaux sont tellement vastes. Ce sont des vieux modèles d'appareils photo. J'ai pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Parlons à Bobby. Ces photos ont vraiment l'air récentes alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait ? Désolé monsieur, c'est un secret que je ne peux dévoiler. Ah bon ? On va visiter le musée. J'aimerais bien goûter ce homard. Ah, du coup c'est la photo effectivement qu'on a vue. Alors, bon bah écoutez, mince, je sais pas, je clique là-dessus, mais non. Sortons de là. Cette enseigne est remarquable. C'est vrai qu'on voit bien que c'est un appareil photo du coup. Hein. On va voir le gars du resto. Désolé messieurs, je ne peux pas vous laisser entrer. Ainsi, il y a un code vestimentaire très strict. Il va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Si je comprends bien, vous nous laisserez entrer si je vous donne un chapeau, c'est cela ? Un chapeau ? Félix vous demande de lui remettre un chapeau. Vous n'avez donc pas d'autre choix que de satisfaire cette requête. Pour ce faire, observez attentivement l'image ci-dessous. Vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté en haut de l'écran tactile. Sachez cependant que celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. Dessinez les contours de ce chapeau et touchez valider pour soumettre votre réponse. Là, il y en a un, mais je pense pas que ça soit... Non, il est pas bon. Celui-là, il aurait été bon. Mais non. Donc ça, c'est juste de l'observation en réalité, donc... Alors j'en ai un ici. Mais il faut qu'il soit identique. Hein. Vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté en haut. Même taille. Parce que là, j'en ai un, sinon. Est-ce qu'il a la même taille ?
Il paraît un petit peu plus large. Ça n'a pas l'air d'être ça. Hein. Ah, je l'ai, je crois. C'est celui-là ? Et voilà ma réponse. Oui, c'est celui-là. Parfait. Tout est clair désormais. Tout à fait. Donc ouais, celui-là, il était trop large, en fait, de là. Là, il était trop large. N'était pas une mince affaire, mais c'est maintenant à Félix de tirer le sien au professeur. Parfait. Et voilà, comme vous l'avez demandé, je vous ai donné un chapeau. Hein ? Professeur, je pense que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Tant pis, je ne retirerai pas mon chapeau. Partons, Luc. Mais j'avais vraiment envie qu'on s'arrête pour manger un peu. Je n'avais pas l'intention d'enlever mon chapeau, Luc. Un point, c'est tout. C'est à vous de voir. Nouveau jouet disponible maison. L'hamster. La maison, qu'est-ce qu'elle fait ? Le hamster aura envie de venir visiter cette jolie petite maison. S'il se trouve à 3 cases de celle-ci ou moins. Et qu'aucune pomme n'est là pour le distraire. Alors, il faut qu'on fasse 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 8. Hein. Y'a un truc à grignoter ici ? Allez, donne-moi à manger ! Ou alors, est-ce que l'obstacle, c'est par exemple, s'il est au bord, c'est compté comme un obstacle, et du coup, il aurait pu aller là sans avoir la maison. Ah, faudra que je teste. Hey, tout d'un coup, j'ai de l'énergie à revendre. Eh oui, hein, il passe au niveau 2. 24. Genre là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il nous faut encore un objet. Ah, il y a un autre mur, je pense. À part si... On pourrait faire comme ça en fait. Que du coup il sera plus intéressé par la pomme que par la maison. Et donc il nous fera quelque chose ici. Ok, bon on verra ça plus tard de toute façon. Est-ce qu'il n'a pas autre chose à nous dire ? Vous êtes de loin les deux personnes les plus étranges que j'ai jamais vues.
Très bien. C'est un compliment. Ah, qu'est-ce que c'est ce machin ? Il vaut mieux faire attention à ne pas tomber. Effectivement, ce serait dommage quand même. Tomber. Des petites pièces. Les pièces SOS. Y'a rien. Bon bah écoute. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chien. Wouf wouf gros. Il s'appelle Princesse. D'accord. Elle me le sent pas très de très bonne humeur. On va voir si je peux découvrir ce qui ne va pas. Salut toi. Ah. Luc, es-tu blessé ? Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à discuter pour le moment. Effectivement, trouvons un autre chemin. Il semble qu'il nous sera difficile de passer par ici. Bon, il faut retourner. Ah. Une petite pièce ici. On attend à voir surgir un serpent à tout moment. T'as peur de serpents ? Je crois que t'aimais tous les animaux. Ce doit être le fameux musée. Les grilles sont fermées à double tour, je crois qu'ils ne sont pas ouverts pour le moment. J'espérais y trouver de précieuses informations, mais il ne sert à rien de rester ici en attendant. Pour l'instant, allons enquêter ailleurs. Professeur et Luc décident d'explorer la ville à la recherche d'informations. Les portes sont toujours fermées, mais... Ok, donc on y vient d'ici. Si on va par ici... Mais qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a, le chien ? Oh, tu pues de la bouche. Tu pues de la bouche. Tu t'en vas, tu pues. Tu pues de la bouche. Tu t'en vas, tu pues. Tu pues de la bouche. Non, tu pues. Alors. En plus, elle a trouvé une tomate qui était tombée dans ma cuisine hier soir. J'ai mangé des petites tomates. Et je les ai fait tomber. Du coup, j'ai essayé de tous les ramasser. Apparemment, j'en avais oublié une. Donc, c'est bien. C'est pas perdu. Les éliminations sont des plus belles effets. Effectivement, c'est plutôt sympathique. Une petite piécette ici même. Bon, on ne trouve rien. On va parler à Narine. Tu t'appelles Narine. Très bien. Bonjour, messieurs, laissez-moi deviner, vous êtes à la recherche de la gloire et de la Vordune. En fait, nous cherchons un objet appelé coffret céleste. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Ouah, quel nom fantastique ! Voilà une énigme pour vous, Robertier de Beu, l'avoir fait connaître. Elle parle avec le nez bouché. Trio de duo. D'accord. Sur cette photo jaunie représentant trois couples, aucun des hommes se tient directement derrière sa femme. Des trois femmes présentes, venues d'ailleurs. Merci du follow. Salut. Salut à toi. Hey yo Joko. Salut les potes, installez-vous. Installez-vous tranquillement. J'ai une énigme pour vous. Alors, sur cette photo jaunie représentant trois couples, aucun des hommes ne se tient directement derrière sa femme. Des trois femmes présentes, deux sont des sœurs et elles sont assises l'une à côté de l'autre. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Trouvez l'homme qui n'est marié à aucune des deux sœurs. Touchez A, B ou C pour répondre. Ok.
Donc ça c'est bien, c'est le genre d'énigme que j'aime bien. Donc après c'est pas dit que je vais trouver, hein, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien. Alors. Du coup. Donc, aucun des messieurs là se tient devant sa femme. Donc on sait que A par exemple c'est pas le mari de D, B de E, C de F. Ça on le sait. Des trois femmes présentes, deux sont sœurs. Elles sont assises l'une à côté de l'autre. Donc E, c'est sûr que c'est une sœur. Déjà, sûr et certain. Trouver l'homme qui n'est marié avec aucune des deux sœurs. Donc déjà, c'est pas B. Enfin... Non, j'ai de la merde. Ça peut être B, puisque du coup, ça, c'est une sœur. Elle, c'est une sœur, donc c'est sûr. Et donc, B, ça peut être... puisque du coup, il est pas marié avec la personne qui se trouve devant lui. Donc, c'est une possibilité. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Donc, lui, c'est le mari de la sœur aînée. Oui, vas-y. Donc, le mari de la sœur aînée, l'homme sans moustache. Et donc, lui, c'est le mari de la sœur cadette. Sœur aînée. Donc, elle, c'est pas la sœur aînée. Donc, ça, c'est la sœur cadette. Donc, F, c'est la sœur cadette. N'est-ce pas? Bah parce que je voulais ton acquiescement. Je sais même pas de quoi tu parles. De l'énigme. Sauf le mari de la sœur. C'est pour ça que je suis en t-shirt. Mais toi, oui, bien sûr. Et elles sont assises à gain. Tout à fait. En plus, je dis de la merde. C'est le mari de la sœur aînée qui est sans moustache. Donc elle c'est l'aînée, c'est pas la cadette. Allez, concentre-toi. Aînée. Et donc E, c'est la sœur cadette. Donc tout le monde porte un chapeau. Donc lui, c'est le mari de lui, de elle. Lui, c'est le mari de elle. Et donc eux deux, ils sont en couple. B et D, ils sont en couple. Et donc. La femme qui ne tient de lien de parenté avec aucune des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. La sœur cadette, c'est le... Tout le monde porte un chapeau. Ah, sauf le mari de la sœur cadette. Donc la femme qui n'a pas de lien de parenté avec aucune de ces deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Sauf qu'on a dit que le mari de la sœur cadette, c'était lui. Alors attends, du coup là, il y a un petit bug dans le potager. On y va tout. Donc on sait que elle, c'est une sœur. C'est sûr et certain, elle, c'est une sœur. Puisque du coup, les sœurs sont assises l'une à côté de l'autre. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Lui, c'est le mari de la sœur aînée. Et donc, c'est pas elle la sœur aînée. Donc on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. Donc D. Pas l'aînée. C'est sûr que c'est pas l'aînée. D, c'est pas l'aînée. Sauf le mari de la sœur cadette. Donc F. C'est pas la cadette. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucun des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Donc c'est la F. Donc la D, c'est l'aîné. D, c'est l'aîné. E,
c'est la cadette. Non, c'est l'inverse. La D, c'est la cadette. Oh putain, ça m'emmerde. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucun des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Donc la femme qui n'a de lien de parenté est assise devant le mari de la sœur cadette. Le mari de la sœur cadette, on a dit que c'était... il avait pas de chapeau. Donc c'est bien ça, c'est F, elle a pas de lien de parenté. D, c'est la cadette. E, c'est l'aîné. D, c'est la cadette. E, c'est l'aîné. Donc F, pas parenté. Hop, voilà. Et donc, trouver l'homme qui n'est marié à aucune des deux sœurs. Bah, du coup, c'est B. Moi, je me suis cassé le cul à savoir lesquelles des femmes étaient qui et qui, mais on s'en fout en fait, puisque c'est le mari qu'on cherche. Et le mari, c'est le B. Puisque le mari, il a chapeau et moustache. Et voilà, c'est ça, ma réponse. Hein. Ouais. Donc tout va bien. Bon, écoute, solution. Moi, j'ai résolu l'énigme dans son intégralité. Intégralité. La réponse est B, et pour la trouver, il suffit de lire attentivement l'énoncé. Vous savez que le mari de la sœur aînée n'a pas de moustache, et ce doit donc être le A. Vous savez également que le mari de la sœur cadette n'a pas de chapeau, donc ça doit être le C. Après avoir éliminé ces deux solutions, la réponse devient évidente. Et au cas où vous vous posez la question, la sœur aînée est E. Oui. La sœur aînée est E, la sœur cadette est D. Oui. Et la troisième femme, F, est mariée à B. Et voilà. C'est facile. Au moins, j'ai répondu à tous les énoncés de l'énigme. Bravo et bonne chance pour trouver votre trug. Vous savez, ce trug avec un nom exgui. Putain. J'imagine que, gars, vous l'ouvriez, un génie va sortir et vous accorder un vœu. C'est formidable. Elle parle avec le nez bouché, je crois. Je crois qu'elle parle avec le nez bouché, la pauvre. Est-ce que tu me donnes un autre indice? Gauvré et Céleste, c'est un nom qui sonne drôlement bien. Guy est le génie qui a trouvé ce nom merveilleux. Je sais pas trop, moi. Mais... Je sais plus d'où je viens, je crois que je viens de là, non? Oui, cette tour de guet, professeur, je la trouve un peu bizarre, pas vous? Ah, une pièce, parfait. Il s'est cassé la gueule. Très bien. La lumière diffusée par ces réverbères est éblouissante. Lui qui se fascine de tout. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est une... Attendez, parce que du coup, il faut pas que je fouille non plus les bâtiments. D'abord, on fouille l'extérieur. Donc, il parle de la tour de guet. Ces barricades semblent avoir été renforcées. Donc effectivement, il y a c'est barricadé de ouf. Il y a un truc ici. On va parler au jeune homme, qui est une énigme apparemment pour nous. Orson. Je ne vois pas de nouvelles têtes tous les jours. Hein. Vous êtes venu pour visiter Folsens? Oui, d'une certaine façon, mais nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Voyez-vous, nous cherchons une relique appelée coffret céleste. En avez-vous entendu parler? Non, c'est la première fois qu'on m'en parle. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Oh, je ne peux pas laisser partir des visiteurs sans leur offrir un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais prenez cette énigme comme souvenir de Folsens. Solide, manquante.
5 solides ont été disposés dans un ordre bien précis. Malheureusement, le quatrième solide a disparu. Parmi les propositions A, B et C, pouvez-vous retrouver le solide qui devrait occuper la quatrième place ? Solides ont été disposés dans un ordre bien précis. Malheureusement, le quatrième solide a disparu. Vous pouvez retrouver le solide qui devrait occuper la quatrième place. Je suis en train d'essayer de trouver la logique. Ça me paraît bizarre qu'il y ait des morceaux complets, des pans complets, genre le C. Il y a vraiment beaucoup qui a été enlevé. Ça me paraît un peu bizarre. Le B est chelou, non ? Je mettrais le A. Et voilà ma réponse. C'était pas le A. Eh bien, on ne peut pas. Étudie bien la forme de chaque solide. On va réessayer. Moi, je dirais le B alors, parce que le C, vraiment, le C, je le sens pas. Si c'est le C, par contre. Voyons si ma théorie est la bonne. Je fais un peu au pif, je savais pas trop. À une solution. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Tout est lié. Mais là, en fait, c'est simple en fait. Les chiffres cachés dans chaque solide déterminent l'ordre dans lequel il a été disposé. J'avais pas vu. C'est pas mal. Bon, après le 1 du coup, faut que j'éternue. Alors. Merci. En disant les chiffres en représentant, on peut faire pivoter, on peut... Ok, donc autant pour moi. J'ai pas trouvé la logique. Beau travail, monsieur. Sans vouloir vous démoraliser, si votre piste sur le coffret vous a amené ici, votre chance a tourné. La plupart des habitants connaissant un tant soit peu l'histoire de la ville se sont enfuis. Cela fait plusieurs années déjà, vous voyez. Tout a commencé avec une étrange rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Ah ? Alors même si nous sommes au bon endroit, il ne reste peut-être plus personne à interroger. Dites-moi, quelle était cette rumeur ? Des bêtises à propos d'une malédiction. À vrai dire, je ne sais qu'en penser. Mais je me demande souvent ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté Folsoms. Encore une histoire de malédiction, hein. Cette rumeur s'est vendue, oui, bref. Du coup, là, on peut aller ici. À l'épicerie du coin. Ces étagères sont bien fournies. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Ça se mange ? Apparemment. Ah, une petite pièce, là, dans le donut pendu. Donc on clique partout, hein. Je me demande à quoi ça sert. Alors là.
Une autre pièce ici. Il fait un peu peur le monsieur quand il rigole comme une chèvre. Ouin, il n'y a que de l'ail ici et on peut dire que ça sent. Pouah. En effet, l'odeur est assez forte. Je suis content d'avoir un mouchoir. Ça me pique les yeux. L'odeur me fait mal au nez. Enfin, des clients. Entrez, entrez. Cela fait des mois que personne n'est entré dans mon magasin, à croire qu'il n'a plus la cote. Je comprends, ou plutôt, je le sens. J'ai du mal à respirer et rien envie d'acheter avec tout cet ail. Pouah. La belle affaire, ça sent et alors, ce n'est pas pour décorer, c'est, tu sais, c'est une protection. Nous avons, comme on dirait, comme qui dirait, un petit souci de vampire. Et là, ils les gardent à distance, tu comprends? Ils ont un souci de vampire. What the fuck? Un vampire, vraiment? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, gamin? Il y a un château près d'ici. C'est là qu'il habite, enfin, c'est ce qui se raconte. Je ne dis pas que je crois à ces rumeurs, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Mm-hmm. Vous qui n'êtes pas du coin, faites attention aux vampires au cas où. Si jamais vous avez un problème, venez vous réfugier dans mon magasin. Il est anti-vampire. Ok. Ouais, bah oui, il dit que la tour de guet paraît un peu bizarre, mais... je veux bien, hein, mais... On va y aller. Waouh ! Qu'est-ce que... Ce cri m'a fait froid dans le dos, professeur. C'était quoi ce bruit affreux ? Je n'en sais rien, mais il semble que ça vienne de là-haut. Vite, montons, Luc. Je vais prendre une photo. Vous avez pris cet endroit en photo. Il y a quelque chose d'étrange. Utilisez l'option appareil photo dans la valise pour examiner vos photos. Tour rez-de-chaussée. Et voilà. Correct. Ce n'était pas si compliqué. Vous avez trouvé la première différence. La tour est assez flagrante. Bouette, 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 bouette. C'est différent, ça. Là, elle est rouge et là, elle est vide. Et voilà. Ah ben non. J'ai mal vu. Oups, ce n'était pas ça. Ah, ce n'était pas ça. Il n'y a pas de différence à cet endroit. Ah bon. Bah là, elle a cassé la vitre. Correct. Ce n'était pas si compliqué. Vous avez trouvé une deuxième différence. Et donc la troisième. Je vois pas la troisième différence du coup, parce que pour moi c'était la bouteille, je la vois presque pleine, il y a du liquide dedans, et là je vois qu'il n'y a pas de liquide dedans. Est-ce que vous voyez une autre différence ou? En plus les images sont un petit peu pixelisées, alors...
Alors c'est pas ouf pour discerner les détails. Je vois que la bouteille, hein. Après voilà, vu que la voix, je vois plus que ça. Oui, je suis confiant. Tiens donc, voilà une énigme fort intéressante. Alors c'est tellement gros que je le vois pas, je sais pas. J'ai pas trouvé. Ok, c'est des pièces SOS apparemment qu'on récupère. Bon. Il y a un monsieur ici. Il y a de l'ail partout ici. Ça doit être sympa, hein, l'odeur d'ail, du coup. Pardon, jeune homme. Bah, sale vampire, partez de chez moi. Est-ce que ça va, monsieur? Quoi? Qui va là? Pas besoin de répondre, je sais reconnaître un vampire quand j'en vois un. Ouah, attendez une seconde, de quoi parlez-vous? On a entendu crier et on est venu voir. Raconte ce que tu veux, fiston, mais ça ne t'aidera pas. Je vois clair dans votre jeu de vampire. Je vous croirai quand vous aurez résolu cette énigme au travail et que ça saute. Le sommet de la tour. Les gens sont vraiment étranges hein, dans ce village. Alors, le sommet de cette tour offre une vue imprenable sur un petit village isolé. Du haut de la tour, on peut voir l'ensemble des bâtiments du village. Réciproquement, la logique voudrait que le sommet de la tour soit entièrement visible depuis n'importe quel bâtiment du village. Cependant, il y a un bâtiment dans le village depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible, quelle que soit la fenêtre par laquelle on regarde. Pouvez-vous retrouver ce bâtiment ?
la maison là. Faux. Qu'est-ce qu'il faut? La maison là, elle me paraît, ça me paraît compliqué, hein. La maison là, ça me paraît compliqué de voir devant la tour. Mais après, si t'as des Velux là au niveau du toit, tu pourras quand même voir. Bon, c'est tout simplement celui-là. Parce qu'il n'a pas de fenêtre. Pense en logique lettonienne. Bah, le stade, en fait, peu importe où tu te trouves dans le stade, tu verras pas ce qu'il y a à l'extérieur. Moi, je dirais que c'est le stade. Voilà ma réponse. C'était pas le stade. Mince. Alors là, je sèche. Ce n'est pas le stade. Souvenez-vous, vous cherchez un bâtiment depuis lequel le sommet de la tour sera jamais entièrement visible. Alors. Logique lettonienne. Mais après, il y a les bâtiments là, par exemple, ils sont pas bien orientés, donc ça me paraît bizarre aussi. Là, il n'y a pas de fenêtre. Mais est-ce que ça, c'est considéré comme un bâtiment? Voilà, par la fenêtre, moi, je vois pas de bâtiment. Je vois la forêt de ma fenêtre. Ah mais du coup c'est les petites maisons. On voit pas le... Attends, parce qu'il parle, du sommet. Le sommet de la tour sera entièrement visible. Depuis le sommet de la tour... Donc tu vois le bas de la tour, c'est ça? Donc ce serait genre le bâtiment là. Allez. Le bâtiment là, vu qu'il est en bas de la tour, il voit pas le sommet. C'est dans la logique là. Et voilà. Non plus. je crois que je me suis trompé. Effectivement. On va prendre un indice. On a des petites pièces. Êtes-vous en train de chercher un endroit où la vue serait obscurcie par un autre bâtiment? Vu la configuration du village, cette piste n'est probablement pas la bonne. Effectivement. Vous devez trouver un bâtiment depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible. En d'autres termes, vous cherchez un bâtiment depuis lequel l'extérieur de la tour n'est pas visible. Ah. C'est le bâtiment lui-même. Et voilà. Oh là là. Je suis le digne apprenti du professeur. Cherche un endroit hors de chez toi, d'où tu ne pourrais pas voir ton propre toit. Bah ma maison quoi. Depuis l'intérieur de la tour, il est impossible d'en voir le sommet. Bien sûr, vous pourrez sortir la tête par la fenêtre, regarder vers le haut, mais le sommet de la tour ne sera pas entièrement visible. Ouais, c'est une énigme lettonienne, quoi.
pas mal joué pour un vampire. À moins que vous ne soyez pas des suceurs de sang, finalement. Si c'est le cas, écoutez-moi quand je vous dis de garder un œil sur le château de sur ce château de loin. C'est vraiment un gros pâté. C'est l'antre d'une créature effroyable, un véritable vampire vivant. Un véritable vampire vivant, dites-vous ? Ne me le faites pas répéter. Non mais du coup, un vampire, c'est pas vivant, on est d'accord ? Un vampire, c'est mort. En fait. Ouais. Un vampire, c'est plus vivant, un vampire. Bah, c'est les zombies qui sont plus vivants. Un vampire, c'est jamais vivant. Un vampire, c'est particulier. Ouais. Un vampire, ça a pas de poux. Mince, j'ai fait une safe state, j'ai pas fait exprès. Un vampire, ça a plus de poux, en fait. Son cœur ne bat plus. Donc, il est mort. D'après les rumeurs, un vampire habiterait le château situé aux bordures de la ville. Terrifiés par cette créature, les habitants ne s'approchent jamais de cet endroit. Se pourrait-il vraiment qu'un vampire vive au château de Van Herzel ? De Van Herzel ? Très bien. On va lui reparler un coup, est-ce qu'il a quelque chose d'autre à me dire ? C'est l'antre du vampire. Ok. Je le vois en train de tournoyer avec sa longue cape. Il se prépare à affronter ceux qui oseraient se rebeller et se battre pour cette ville. Ça marche, Joko. A plus. Appareil photo. Il y a toujours un truc que j'ai pas vu hein, sur cette photo. Ah bah écoutez... Autant les deux là, ils étaient faciles à trouver. Autant le dernier... Après si ça donne que des pièces, c'est pas grave, mais si ça débloque une énigme ou quoi, c'est un petit peu embêtant. La grille est cassée. J'ai un mauvais pressentiment. Qui sait ce que nous allons trouver au bout de ce chemin ? D'après ce que je vois, ce n'est qu'un jardin à l'abandon. Reprenons notre chemin pour l'instant. Ok, donc. La ville est assez grande, hein, mine de rien. Il y a encore le facteur qui est là. Ce bâtiment semble chargé d'histoire. Ah bon.
Alors, bonjour vous deux, je ne pensais pas vous trouver ici. Vous allez au nord de la ville? Je crois, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, rien du tout, que des vieilles maisons. J'ai du courrier venant de Dropstone pour eux. Ouah, des gens de Dropstone envoient des lettres jusqu'ici? Ça me surprenait aussi au début, mais Dropstone semble lié à cet endroit d'une certaine façon. C'est difficile à expliquer avec des mots, alors je n'en dirai pas plus. Oups, je dois aller, le courrier n'attend pas. Monsieur le facteur, attendez une seconde. Oh, il ne s'est même pas retourné. Il doit vraiment être concentré sur sa tournée. Un individu très surprenant, ce facteur. Mais concentrons-nous à présent sur notre enquête. Très surprenant, ce facteur. Oh. On peut pas aller là-bas? Oh, monsieur Beluga, ça fait une éternité. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Pas encore, mais j'y compte bien. J'ai envoyé Sam à sa recherche, mais il n'est qu'un bon à rien. Oh, ne vous inquiétez pas, comme ça. Ça vous donne des rides autour de vos sourcils si distingués. Bon. Qu'en dites-vous, monsieur B? Pourquoi ne pas entrer et rattraper le temps perdu? Professeur, vous avez vu ça? Monsieur Beluga vient d'entrer dans ce cabaret. Allons voir ça de plus près. Est-ce que Luc a le droit de rentrer dans un cabaret? Je crois pas. Hein. On récupère les petits... Je trouve les couleurs de cette enseigne un peu trop criardes. Bah, c'est rose, quoi. C'est... cabaret, quoi. Oh, bonjour, beau ténébreux. Ça vous dirait de venir voir le spectacle ce soir? Excusez-moi, madame, mais nous sommes au beau milieu d'une... Oh, ne soyez pas timide. Je suis certaine que ça va vous plaire. Et qui est donc votre ami? Quel charmant petit garçon. Moi, désolé de changer de sujet, mais j'ai cru remarquer que monsieur Beluga était entré dans votre cabaret. Oh, monsieur B est l'un de vos amis? Oui, en quelque sorte. Dites-moi, est-ce que monsieur Beluga vient souvent ici? Monsieur Beluga est sans conteste un grand amateur de culture. Mais si vous désirez plus d'informations, vous allez devoir m'accorder une faveur. Montrez-moi que sous ces airs de gentleman, vous avez aussi une tête bien remplie. Avec une énigme, bien entendu. Le prix des joyaux. Je possède ce vieux collier, mais il n'est plus vraiment à mon goût. J'ai donc décidé de le vendre, mais lorsque je l'ai fait expertiser, on m'a annoncé quelque chose d'étrange. Chaque pierre a une valeur différente, mais en faisant ouvrir le collier en trois endroits, je pourrais obtenir trois chaînettes dont la valeur serait identique. N'est-ce pas fascinant? Saurez-vous trouver à quel endroit le collier doit être ouvert pour obtenir ce résultat? Bien entendu. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je crois que je suis déjà tombé sur une énigme comme ça. On va sortir la calculatrice. Calculatrice. Pouette. On va tout additionner. Et on va diviser par 3. Comme ça, on saura la valeur en fait qu'on cherche. Alors. 900 plus 1200 plus 100 plus 500 plus 800 plus 1100 plus 200 plus 400 plus 300 plus 600 plus 1000 plus 700 égale, et on divise tout ça par 3. 2600.
Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, hein, mais on va voir. Et du coup, il y a combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais après, c'est pas dit que ça soit coupé, par exemple, en 3, donc c'est 4 pierres à chaque fois. Mais du coup, 2600. Donc par exemple, si on coupe là et là, donc là on a 2000, 2006, 1500, 1700, 2000, 2006, 2006. Voilà. C'est ça. Et voilà ma réponse. Ah ah, tout à fait remarquable. Donc ça, on avait déjà eu ce genre d'énigme dans le professeur Layton et l'étrange village. Et donc l'astuce, c'était de faire ça, de tout additionner et de diviser par le nombre que tu devais avoir. Par exemple, c'était 3, là, par exemple, c'était 3 bracelets, bah, tu divises par 3, comme ça, tu sais déjà le chiffre que tu cherches. Et une fois que tu sais le chiffre que tu cherches, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, en plus, là, il te dit même pas l'astuce. C'est genre, tu te débrouilles. Mignon et intelligent, je suis impressionné et conquise. Pour en revenir à Monsieur B, je suis sûr qu'il cherche quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ses recherches ne doivent pas être très fructueuses parce qu'il est un peu ronchon, ces derniers temps. Il est rochon, hein. Aïe. C'est un rocher. Ce n'est pas facile de trouver des indices ici, n'est-ce pas? Effectivement, nous devrions sans doute attendre que le musée Van Herzel ouvre ses portes. Eh bien, si c'est le cas, nous devrions peut-être y retourner tout de suite. Qui sait, il est possible qu'il soit ouvert maintenant. Oui, ce n'est pas impossible. J'espère que nous trouverons quelque chose cette fois. Professeur Elik décide de retourner au musée Van Herzel. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On a fait la petite session, tout va bien. Donc merci YouTube d'avoir regardé cet épisode du professeur Layton, oh là là, le professeur Layton et la boîte de Pandore. J'ai du mal à articuler, je m'en excuse platement. Donc on a avancé un petit peu dans cette ville, ma foi, fort étrange, on apprend des trucs bizarres, et je pense que le mystère va s'épaissir encore davantage, il y a l'histoire d'un vampire, etc. On verra ça du coup à la suite, au prochain épisode. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker comme d'habitude, à commenter si tu as des choses à me raconter, et si tu veux, tu peux aussi nous rejoindre sur Twitch, tout est dans la description de la vidéo. Si tu veux nous rejoindre pour vivre en live ces aventures avec le professeur Layton de 18h à 20h tous les jours de la semaine, tu seras le bienvenu, hein, tout simplement, sur ce live. Je te fais des bisous YouTube et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode du professeur Layton et la boîte de Pandore. Salut!